L'ambassade du royaume béni de Dieu pour toutes les nations est l'une des plus grandes églises évangéliques d'Europe. Elle compte plus de 20 000 membres à Kiev et environ 50 000 membres dans d'autres pays. Le fondateur de l'église, le pasteur Sunday Adelaja, est l'auteur de plus de 50 livres sur la vie chrétienne. Je crois que ce pasteur Sunday Adelaja est la chose la plus proche que j'ai jamais vue de quelqu'un pleinement engagé dans les desseins de Dieu. Le but fondamental de ce ministère est de susciter des leaders forts qui pourront à leur tour élever d'autres leaders. C'est la raison pour laquelle 14 écoles et instituts bibliques se sont réunis au sein de l'Académie spirituelle de l'ambassade de Dieu. Des milliers de diplômés sont partis dans différents pays. Plus de 300 églises sont sous la direction de l'ambassade de Dieu. 218 d'entre elles sont en Ukraine et 113 à l'étranger. Seules 34 branches de l'ambassade de Dieu tiennent leur réunion chaque dimanche aux alentours de la ville de Kiev. C'est la maison où je sers. C'est ma famille. Je sens que je suis nécessaire ici. C'est l'endroit où je peux réaliser mon potentiel. Pour moi, l'église est toute ma vie. J'ai la vie, le bonheur et l'amour ici. C'est l'endroit où je me sens très à l'aise. Je viens toujours ici et je trouve de la joie. J'ai trouvé la vraie famille de Dieu. Des hommes politiques influents, des membres du Parlement et des députés municipaux sont tous membres de l'ambassade de Dieu. En agissant selon les principes moraux chrétiens, ils influencent le pouvoir législatif d'Ukraine. Chaque jour au Parlement, je parle de plus en plus de Dieu. L'Église doit être une force dirigeante de la société. Beaucoup de ceux qui étaient au chômage avant de venir à l'ambassade de Dieu et grâce au travail du pasteur ont maintenant créé leur propre entreprise. Au sein de la Reformation Business Academy, des spécialistes qualifiés organisent des séminaires sur la façon de faire des affaires honnêtes. Les hommes d'affaires de cette nouvelle génération bâtissent désormais leur travail sur des principes bibliques. C'est pourquoi le soutien aux foyers d'enfants, aux hôpitaux et aux internats de type familial constitue une partie essentielle de leur activité. Afin de résoudre les problèmes de fabrication industrielle, des bureaux de conseil ont été créés dans les usines. Le centre caritatif Stéphania est sponsorisé par les hommes d'affaires de l'ambassade de Dieu. Chaque jour, plus de 1500 personnes sans-abri et nécessiteuses reçoivent un repas chaud gratuit. Chaque année, le centre de réhabilitation Love organise la marche de la vie contre le sida. Au cours de son existence, plus de 3500 alcooliques et toxicomanes ont retrouvé une vie normale. Dieu m'a libéré de l'alcool et maintenant j'ai un rêve et un appel. J'ai été toxicomane pendant 5 ans. Dieu m'a donné la liberté et un sens à ma vie. Les conseillers qualifiés de la ligne téléphonique Confiance aident ceux qui se trouvent dans des situations de crise. Durant ces 5 années d'existence, plus de 70 000 personnes ont consulté. Les précautions concernant les problèmes sociaux néfastes parmi les universitaires et les étudiants sont devenues l'une des orientations les plus importantes des activités de l'ambassade de Dieu. De nombreux adolescents sont gagnés et sauvés par ce travail. Des centaines d'enfants sont réhabilités et ramenés chez eux. L'ambassade de Dieu gère un programme complexe de résolution des problèmes familiaux. Le travail des écoles de préparation au mariage et des bureaux de conseil vise à équiper et à préparer les personnes au mariage. L'ambassade de Dieu continue de travailler sur le thème d'un planning familial spirituellement moral. Des groupes de femmes sont organisés pour permettre aux jeunes mères enceintes d'obtenir l'aide psychologique dont elles ont besoin. Des consultants qualifiés travaillent sur les conséquences psychologiques de l'avortement et la prévention du sida. Dans les groupes d'hommes, les maris sont aidés à prendre la place qui leur revient dans la famille et dans la société. La conférence annuelle des hommes attire des milliers d'hommes, non seulement d'Ukraine, mais aussi de l'étranger. C'est l'endroit où je peux trouver Dieu. L'église est la vie que je vis maintenant. L'élévation de la morale et de l'éthique chrétienne est la direction principale des organisations sociales de jeunesse de l'ambassade de Dieu. Les choses que nous avons vues sont si grandes,
et nous aimerions transférer quelque chose comme cela en Grèce. Nous avons fondé une église, AVC, Haven Worship Center, et nous aimerions voir la Grèce bénie comme l'Ukraine. Vous êtes un excellent exemple. Grâce à la chaîne satellite TBN et Révélation TV, la prédication du pasteur Sunday est entendue par plus de 200 millions de personnes. Les succursales de l'ambassade de Dieu fonctionnent dans plus de 300 villes et villages d'Ukraine, ainsi que dans les pays de l'ex-Union soviétique, au Canada, en Inde, en Afrique du Sud, en Allemagne, aux Émirats arabes unis, en Lettonie, en Israël et en Pologne. Aujourd'hui, l'influence de l'ambassade de Dieu s'étend dans 100 pays.